Déclaration de la coordination nationale de campagne du candidat Basile Tshibozo. Chers confrères, chers consoeurs, depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux un document pour manipuler l'opinion ayant trait à une décision de justice et qui présenterait le candidat Basile Tshibozo comme un citoyen ayant mal à partir avec la justice. C'est une manœuvre dilatoire d'un candidat de la catégorie presse écrite bien identifié et qui, ayant perdu la bataille du terrain, a choisi désespérément de verser dans le dilatoire la délation, la calomnie et la diversion. Le contenu du dit document, complètement désuet, n'entame en rien la jouissance des droits civils et politiques de notre candidat Basile Tshibozo. La preuve, son casier judiciaire fourni dans son dossier de candidature, le dit casier délivré par les services du greffe et qui constitue l'une des pièces principales du dossier de candidature présente un caractère vierge. C'est sur la base de ce casier judiciaire vierge que la commission électorale autonome de la HAC a étudié et validé la candidature de Basile Tshibozo. Mieux, la commission électorale lui a délivré un récépissé définitif. Et il y a eu une période pour d'éventuels recours. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Nous sommes à quelques jours du scrutin. Vous comprenez donc avec nous que ce sont des manœuvres dilatoires pour entamer l'image de marque de notre candidat et nous ne saurions garder le silence face à de tels avis. Parce que nous sommes dans la presse, nous ne sommes pas dans la rue. À quelques jours de la date fatidique du scrutin, ce candidat bien identifié, je le précise, ayant perdu le combat sur le terrain, en désespoir de cause et complètement aux abois, lui, l'instigateur de ce coup, n'a trouvé mieux que de se livrer à des pratiques de bas étage. Nous invitons tous les acteurs des médias acquis à la cause du candidat Tshibozo et à tous ceux qui hésitent encore à ne pas céder à ces machinations et à rester sereins, inébranlables, déterminés et toujours mobilisés, comme vous le faites si bien derrière lui, jusqu'à l'assaut final, samedi prochain, 15 juin 2019. Par ailleurs, la coordination nationale de campagne du candidat Basile Tshibozo met en garde tous ceux qui, sur la base de faux documents, objet de manipulation sans aucune valeur, se livrent à des commentaires désobligeants et tendancieux, car à la veille de la publication d'un tel document, nous avions appris des sbires du commanditaire de cette sale besogne que ce dernier s'apprêterait à saisir la commission électorale de la HAC pour tenter d'invalider la candidature de Basile Tshibozo et donc l'empêcher de compétir. Nous vous rassurons ici et maintenant qu'il s'agit d'une intrusion dans la vie privée. Et vous comprendrez avec nous que pour aller à la HAC, les gens sont prêts à tout. C'est le moment pour nous de demander aux membres de la commission électorale autonome de rester vigilants et de prendre toujours de la hauteur, tel qu'ils le font si bien déjà, en attendant de prendre des mesures qui s'imposent de pareilles circonstances. Nous demandons à tous nos confrères qui ont misé sur Basile Tshibozo de garder leur calme et de rester sereins face à ces attaques qui donnent la preuve que l'animal est atteint. Tout ce qui se passe actuellement ne constitue que les derniers soubresauts d'un agonisant. Samedi prochain,
la messe sera dite. Car dans la presse, ce qui nous unit reste plus fort que ce qui nous divise. Je vous remercie.